teme ok sko bino to ba combattant opposition bazo reprocher ngo imulunda niloni ya osala musala na mabe ya solo papa na ngai bombasti pe bande ko balandi ya fungula matoi boyo kamala mbo fungula matoi na bino papa mutuna na ezali na mutuna na mutu ya penda komona ete ngo imulunda ezali ko respecter ba regle de GT to ezali komona arbitre soka za ko arbitre match arbitre ndenge ngo imulunda robaki au départ ete ezali une église au milieu du village ezali ko arbitre arbitre ezali contre ni porte sauf muto ezali ko jouer contre ba règle de jeu arbitre azali ko condamné ye mpe ba coup ya ba coup franc to ba penalty azali na kana ye mingi parce que azali ko landa règle de jeu te to ba sanction mais to za komona te ngoi mulunda lobi azali 12e candidat mais par ba jeu na ye na ba makambu na ye azali ko chamibe ko azali ko tosa yango te azali ko tika bato ya pouvoir bazali ko déconner mais azali ko lobelo ko mokote quand azali ko l'accepter azali ko soutenir gouvernement pe azali ko rejeter opposition voilà position ya ngoi mulunda azali ko respecter maloba na ye te to ko respecter bomo to na ite en tant que musan na nzambe azali din d'être après serviteur de Dieu nous pasteur te na bakte na yezali ko la sieza azali pasteur exemple la liboso ba loba kete na ville a kinta ba pancarte na ba spisika ya ba lieu public te lokola na stade Kamanyola lokola na aéroport mais okukuta na aéroport ba pancarte minene ya Joseph Kabila okukuta na stade Kamanyola okukuta ba pancarte minene deuxième preuve ezali ete papa na ngai balubiete ba bien à l'état motoa simba te toza komona ba vion à l'état ezaka na disposition na ye toza komona ba bis ezaka na disposition na ye ya misato tomoni trésor ya mboka ikoko za à l'abri ya mutu moko te ya inen individu te mais toza komona kaka ye moko nda zako sa propriété prier na biloko wana donc ezali ko l'accès aza ko buka mubeko tile lo ba pakar na ezali et pourtant c'est ni bi misi mbeko ete ba na bisika wana ba pakar te ko za late mais kino le lo yongo mulunda et loko nina aza ko l'accès ya solo azali une église au milieu du village azali ko mona nini par azali ko mona kaka te azali ko ta opposition azali ko favoriser nani parti au pouvoir que opposition position na yezali ko moni sa polele ta zali ko respecter ba règle de Dieu ta zali ko respecter mi bekute mais alors soy soto landi malamu de yangonde ba ngai na Afrique d'ici ba combattre ba ngai ba sale mutakalisation pona ba règle de Dieu yo moka cheki ako ka ko respecter yangote donc izande ngona ya solo papa y compris yango parce que surtout le kambo wana nde yango epesi ba combattre kanda pona ko moni ete ba l'ère ya campagne mutuna soko sala campagne na yendenge ya lingi mais ngoi mulunda azali ko se permettre ko tika batu mususu pe perdre azali ko sala pa pancarte pe ko beti sa batu masasi en pleine période ya campagne ya campagne ya électorale donc baninga ba bamba affiche na bango bazako longolo bazako benga basoda bazako beta bango masasi tozana batu bele bazali ya IDPS bazali hospitalisé na clinique Ngaliema bazako ba masasi tout ça ngoi mulunda azako mona mibeko ya lobiete na code de bonne conduite. Qui dit code de bonne conduite? C'est-à-dire que Moutinho est libre jusqu'à ce que la proclamation est kobima. Et puis, et là, on a félicité. Ndekuna biso papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba poeta boy ko signer acte wana. Ezali acte de vente. Et puis, ezali acte ko signer attestation de mort. Acte de mort na bino ya bakongo. Acte de bonne conduite ngolo banini. Acte de bonne conduite papa ngolo bete. Après l'élection, résultat n'y a pas de problème. Ce qui est le but, c'est que la caméra a gagné. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Et pourtant, or que ezali ndenge wana te ezali ndenge wana te kamera kokina kuganyira ba election te kengwa kokina kuganyira te i politika namba kokina kuganyira Tshisekedi na ba election te mais ce que elo ni paye zo la kisapenza ki Tshisekedi akoki kuganyira mais ba monsieur ba ko ganyira te exemple na koko pesa yango yo tout d'abord mutoyo atani mutu moko lokola mutu akota kina maki banda deuxième république Tshisekedi abunda na mubuto tile lo mubuto alonga yete lelo yo père ya démocratie lelo yo mubuto ayiko lobake lelo yo Tshisekedi alobiete état de droit au moins le kotoza ko sepela ya mwana pour te mboka na biso e yiba mingi na niveau nyoso tout viol banini tout il faut battre wana ba ba commettre l'impunité d'ali ko régner kino le bandera deuxième république yango le kotoza ko pousser biso te état de droit plan de société ya Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Mulumba ya IDPS ezali le meilleur pour le tina bomo il peut pour le tina vie ya bana na ndambe que ça soit sur le plan politique spirituel et culturel. Donc, na moniete, yango wana azali vainqueur partout Tshisekedi azako passer. Jamais au monde n'a pas bouclé ma bang. Jamais au monde n'a pas oulola. Mais tout ça n'a pas moussous même na parlement. Bazako oulola bango, bako zomé la bango. Exemple ndakisa. Lokola soba congolais balinga kaka be preuve. Ndakisa lokola menan ministre premier ministre Mouzito na parlement ba oulola ki yeta ngazako lobaite PPRD
bilan na ye etali positif, or que bilan a peut perdre etali négatif. Peut perdre à échouer. Balandi a fongola matoy bilomo boza komona pe boza kolanda biso na minute o tolanda na no ba image ya mutakalisation o balansa ki na Afrique du Sud pona le président ya Seningo Imulunda après ce zozonga. Et nous voulons ici dire à tous les candidats et à toute la population congolaise que le bureau est sérieux et que nous sommes prêts à porter plainte. Et nous invitons le ministère public à prendre ses responsabilités, à se saisir lui-même et à appliquer la loi pour ceux qui commettent les violences pendant ces élections. Et cela est intolérable. La violence a dépassé ses bornes et c'est inacceptable. Aujourd'hui, même l'intégrité physique des membres du bureau est entamée. Je vais vous donner moi-même mon témoignage. Le samedi 5 novembre, je prends mon avion de Johannesburg pour Cape Town pour aller voir la production des bulletins de vote. J'arrive, après la visite, les amis m'offrent un repas dans un restaurant qui s'appelle le restaurant Bukhari sur Long Street à Cape Town. Arrivé à l'entrée, un Congolais me reconnaît, me salue, il passe. J'entre au restaurant, je tout gars de Congolais, je les salue. Je n'ai pas terminé à prendre mon entrée quand une femme blanche est entrée pour demander au responsable du restaurant de me cacher parce que j'étais sous menace. Évidemment, ça n'a pas tardé. Beaucoup de bruit, les gens avaient des pancartes qui entraient, qui criaient « Boubi Misaïe, Boubi Misaïe, Tokosel Oula Kadhafi » avec des pancartes, avec des chansons. Deux types de police sont arrivés et ne sont pas arrivés à les menacer, à les maîtriser. Ils sont tous entrés. Qu'est-ce qui est arrivé? Le propriétaire du restaurant est allé me cacher dans les toilettes. J'ai passé une heure de temps dans les toilettes en me cachant. Il fallait qu'on puisse amener 20 voitures de police qui ne sont pas arrivées à maîtriser. Quand ils ont compris que ni dans la cuisine, ni dans la viande, ils pouvaient me trouver, ils ont dit tout dans la toilette. Heureusement, et je dis merci aux jeunes Congolais qui travaillent là-bas et qui m'a dit qu'ils connaissaient les plans de la maison et que la toilette était divisée par un morceau de bois. On pouvait casser là-bas. Je pouvais sortir pour aller dans les escaliers. C'est comme ça qu'on m'a libéré de toilettes, qu'on m'a mis dans les escaliers. J'ai encore passé 30 minutes là-bas. Quand ils sont dans les toilettes, ils ne m'ont pas trouvé dans les toilettes. Il fallait que la police sud-africaine puisse envoyer des unités spéciales qui sont passées par la toiture pour me sortir. Comment ils m'ont sorti, ils m'ont demandé de courir et que l'opération commando devait se passer en 4 minutes. J'ai dû courir jusqu'au sous-sol. C'est comme ça qu'on me sortira par la police sud-africaine et me déposera à l'hôtel. Je voudrais aussi dire merci à la police sud-africaine, merci à l'ambassadeur sud-africaine à Kinshasa et au gouvernement sud-africain. Il y avait plein de Congolais avec beaucoup de passe-bancards et ils s'appelaient militants. Topegisi Ozo Yokate et Lokomona. Ils s'appelaient tous combattants, posaba combattants, Ozo Yokate et Lokoyeda. Cette situation est intolérable. Le bureau de la CENI n'est pas, nous ne sommes pas le 12e candidat. Pasteur Mulunda n'est pas un 12e candidat. Si ceci arrive à moi, c'est inacceptable. Nous avons demandé à la police sud-africaine, nous avons les images, il y a les amis, les collègues qui étaient avec moi, et je salue leur courage parce qu'ils étaient là. La police les a mis dans les véhicules et les gens sont sortis. Mais il y a des collègues qui ont utilisé leur téléphone pour filmer. Et ces images sont prêtes et seront distribuées à différentes chaînes de télévision pour qu'on montre à quel niveau les gens sont violents. Nous, on n'est pas ici pour combattre qui que ce soit. Les combattants, ils ont leur combat. Nous, on organise des élections. Donc, cette situation m'est arrivée et ça va me faire rentrer. Moi-même, j'ai passé une heure, plus d'une heure dans les toilettes cachées. Parce que les combattants d'un parti politique en voulaient à ma vie. Donc ici, il est important qu'on le sache. Nous, on n'est pas candidat. Nous organisons des élections. Docteur Meok est pas face. Les autres qui est président Tshisekedi a un retard la campagne électorale. Pour nani ni retard ouana. Bah moi, ça l'a quitté ton dengeni.
Oui, papa nangai ezali retard wana ezali pona choix na ye moko te to pona tina na nini te retard wana ezali causé na bateau et parti au pouvoir. Avion yo tu sais que des sengela kaya na yango avion wana salaka ezali koni na kati na ko RDC avion wana ezali ko sala bana vete Afrique du Sud Kinshasa Afrique du Sud Kinshasa mais le lo baza ko yebisa biso ba mona ki papier moko te donc le lo yo ba komi ko loba o ba changer langage nyonso wana ezalaki na bango même ba fiche baza kolongola même ni baza kolinga tete campagne ya Tshisekedi voire même na Kisangani babongisa kete batu ba battre président na kati na Kisangani partout toza kumona ete tomoni même kuna na nini na Katanga Kyungu wa kumwanza a organiser batu bazokisi bakati batu ya IDPS même na ba machete c'est-à-dire que papa nangai oza kumona te batu baza kubanga quelque part baza ko se reprocher baza kumona chute na bango pe balinko lachete mais baye baite mwenye sababu zako sala wana ezali na litombo moko te retard wana ezali koze na bato yo ya pouvoir papa na ngai ndebango bato ba cheba mzete na kati na nzela to landa biso bato wengi ba comprendre do ezali gouvernement mutu elingi te ke president Tshisekedi akita retard wana balinga kite avion wana ekita oboyo na bokwe vante ba mutifi ndenge na ndenge meleloyo nzamba ezali bobele nzambe Nzamba zali souverain leloyo wa mulumba atali na Kisangani o epa yopi azako solola na bande kuna yeba na somi ya mboka Congo azali ko solola na bango kino akokoma na Kishasa pe ko solola na bango meme na est pwete mwana oyo ya mupayo ya vana mutu na mboka azali nde kuna biso te azana litanga ya makila ya Congo na kati na mdoto na yete azali mwana ya Laurent Désiré Kabila pe te mutu oyo azali mutu moko fabrique boye na bokisidanto na ba chabien ba fabrique mutu na bango wana yango zo mwana masakro esalama kina Katanga papa leloyo Katumbi nani Moïse Katumbi alobiete mutu ya bimisi chimvundo ye sali masakra wa to yebie mutu wana azali portugais ana nationalité portugais nani sabe étranger ezali kungu wa kumwanza nde mutu mukolo masakra wana mutu organiza balali boso tangu Tshisekedi uta ka Afrique du Sud alobakete akwa battre Tshisekedi meta Tshisekedi akomake abataki Tshisekedi te azana pouvoir mokote azana nguya mokote biloba loba bilobela mwanza oyo bazana ngo wana bilobela mwanza Mais si quoi on a minute au si quoi au président Tshisekedi les gens dans donc campagne ils ont les camalam cela veut dire que avion est quitté oui avion est quitté parce qu'il y avait aussi des pressions internationales na pression il y a combattant il y a IDPS partout et dans la carte namboka et dans les bandes namboka pression wana yango et sali si quoi était balache ngoyimulunda pe amoni ete pression le kimakasi yango wana parce que ngoyimulunda atali loboko na ye ngoyimulunda zako sali ngoyimulunda zako kola Souci na mbwa makanisi na nyao. Bon, siko bandaka la wana tangwa avana to koma na ba niveau to komyo. Pourquoi bobo ya kingo imulunda te? Papa na ngai, au départ to kanisa ki te un serviteur de Dieu. Oyebi image ya serviteur de Dieu na biso na Afrique, pe na mboka na biso. Yango to zali tangu nyoso za kububa biso kaka. On dirait malaria ya Congo, il faut iya kaka na basali na Nzambe. Tuzomona ka ba pasteur wana bazali ko utiliser bango. Ngo imulu nani kimalmalo yake o abe. O une église au milieu du village. To moni ete Kimalmalo azalaki une église à l'écart du village. Ezalaki une église au milieu du village. Lelo toza komona lisusu lelo ngoyi mulunda soit disant pasteur. Mais un pasteur qui ne dit pas la vérité, un pasteur qui ne respecte pas ses codes de bonne conduite. Mais toi qui ba combattant musubazolo ba ki ngoyi mulunda azali ko fondateur ya PPRD. Ya solo papa na ngoyi mulunda nazali na kokolo ba témoignage mibale. Ngoyi mulunda azali ko fondateur ya PPRD. Ngoyi mulunda c'est qui ngoyi mulunda azali parmi. Non, boye ba chango depuis quand? Depuis quand boye ba chango? Papa ngoyi mulunda ngai yo naza kuloba nayo pa France ngoyi mulunda soka ko wanga ngai ayebi ngai très bien to banda ko solola ngai na ye na Skype banda kala tango zaki na Lubumbashi ngoyi mulunda to za ko solola na ye na za na numero na ye ya telefone nyoso misatu ngoyi mulunda na benga ki etanga si saki seminaire na ye na lobi ke ba okukufa mupaye na mutu na mboka tanga de Eternum 17 14 à 20 alors eloko ezali ke papa na ngai ngoyi mulunda parmi bato ba boma pasteur luko saluvungu Albert Je suis un pasteur, docteur Meok. Banda Kalasu Boyeba qui bloque. Bon, dénoncer qui est goté. Pourquoi vous dénoncez la dernière minute si vous avez pour que vous la dernière minute si vous Banda Kalasu Boyeba qui dénoncez qui est goté. Vous voyez qui. Vous voyez qui. Vous voyez qui. Vous contribuer. Papa Nangaye, Otuni Malam. Nalobite était. Tolobite à Lungwa. Tolobite. Ame kako sale la oyu ya zali kulero ya lobiete amilati sete. Zela non, pasteur. Dosko bo. Ego y jamais ko salama. Parce que nandenge bo lobiso ke sa ya solo azali. Confondateur ya PPRD. De ça cela veut dire PPRD za mwana na ye. Alors ça netinga la ko bo mwana nga te. Papa, ezali ya solo parce que tala nanu exemple munene na linko pesa sikoyi bande ko ya fungula matoyi bolanda. Papa,
ngoi mulunda lobie te baponaki ye et pas ina mwana ndeke Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila poni yeke acha kimana konga lokota minduki ngoi mulunda kosiba armé na biso ba xifa na banana ba misi minduki nyoso tu a depuyer bango force ngoi mulunda kamati minduki 15,000 minduki ndenga za 10,000 sawana kazali mutuna kim me minduki ezalaki na ngamu mususu pa ya kunda batoare toyebye pa yezalite wezalaki pa na jambo so tangale tomonite wezalaki pa Kagame tomonite minduki wana me minduko ya zu 15,000 wana acha yango apesi politika nambe kwa nani fils na ye ya parti na ye pe perdre c'est quoi c'est perdre perdu petit à petit le Rwanda dirige apesi bango bazo boma biso na yango alors papa toyeba kite kozanga koyeba ndenge balobiete ezali liwa ya mvimba ezali andambu te ezali ya mvimba Nicolas était le cas au mois de juin tout qui boit la nouvelle à waké élection zaté que dans l'état élection zaté Tshisekedi Mutwaza président Kengo Wadondo ya osala président ya nani ya Sénat et puis Vital Kamerhe premier ministre si quoi nouvelle année est-ce que papa nangaye ce qui oyoana ekoka ko salema papa parce que gouvernement en place essaie faillir les chiens à bois la caravane ne passera plus et lobby ngai et pas France et puis na lobby était cette fois ici, makala ekomata potulo ekotikala. Mpe opesi mbombo ale ya pesi nya usani nya walemboli. Mpe na kolobete un fruit tombe que quand il est mûr. Mais devant cette situation de balkanisation, il y a une politique nambe rwandais. Tout est rwandais de père et de mère. Avant de mutuna mboko pona kupiye mboka koyiba ko sala nyonso. Papa, un fruit mûr ou pas mûr tombe quand même. C'est ça et pas France. Alors na kolobete papa na ngai. Bazolo ba ipolite za ko kotonga boyi bona ocean chante boyi na boyi. Eza lukuta. Mundo qui a été attaqué, il a été même malade dans mon hôpital. Il a été bon. Quand il a été bon, par-ci, par-là, de gauche à droite, dans la République. Et il a été le coup. Bandeko soki bondimi ko voter mwana mobali oyo bandeko bazaku beta mutolo pepere bandeko boye ba ete bo signer acte de mort na bino pe acte de vente ya pays botike loko wana bote liambongo tango kota na irne voter Tshisekedi wa muluma pona état de droit to récupérer ba bien nyoso ya mboka etongami ya hier ba hotel ba nini ba paiement ya ba professeur ya Tanzanie na biloko mususu siko na minicho la CENI pona yo papa docteur Pafas Meok est-ce que CENI penza est-ce que ça déjà prêt pour l'élection et ça la mana Congo c'est est-ce que na minicho baza prêt déjà ndenge na la ningo imulunda na yoki azako loba maloba na yete vers la fin et bandeli et suka et bandeli et suka yali kambunde ezali nécessaire alobi boy alobi ete tang mususu bino bochaki biso pression pour ete toke na l'élection mais tang to kolobe ete to prolonger pe bo imaté c'est-à-dire qu'il y a quelque chose parce que il y a un blanc tant on a suivre interview yango nani déclaration na yelelo na monite il y avait un blanc monsieur journaliste a tout ni mutuna le biete mais le baki était le 9 bloc tout est cosa la près mais tozo mona que chaque fois besoin de difficulté il y a koko kisabiloko ya nini c'est-à-dire qu'il y a quelque chose toko risqué bon balandi a fungola matoi bino mo bona ndona bilili biso to ngi préfère l'appui le 1er novembre c'est une question à plaisir le 1er novembre vous nous annonciez le cœur sur la main nous demandant de vous croire qu'il y aurait les 186 000 urnes arriveraient d'ici le 9 novembre. Vous aviez donné le nombre de vols. Aujourd'hui, le 11 novembre, il manque encore 30 000 urnes, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, vous annoncez qu'il y a de nouvelles imprimées qui sont sollicitées. On a l'impression que chaque jour qui avance, il y a toujours des difficultés et que les dates que vous annoncez ne sont pas respectées. Donc ma question est simple, est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui, alors qu'on est très proche de la date du 29 novembre, que vous pourrez tenir ces élections à la fois présidentielles et législatives? Et par ailleurs, deuxième question, est-ce que la CENI est en discussion avec la société VEMA, la société sud-africaine? Merci beaucoup. Karine Kapoutou, Touranda Télévision. Monsieur le Président, votre mission c'est d'organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. Mais pourquoi, à votre avis, ces combattants vous en veulent? Pourquoi vous ont-ils agressés selon vous? Parce que votre mission c'est seulement d'organiser les élections. Pourquoi vous agressent-ils? Et puis, une petite préoccupation encore, au regard de l'état des lieux que vous avez dressé du processus électoral, pensez-vous être en mesure d'organiser des élections vraiment crédibles et transparentes et surtout attendre le 28 novembre prochain? Merci. Vous venez de dire, la CENI a déjà mis un comité de suivi, un comité de la médiation pour les élections. Quels sont les critères qui ont intervenu pour le choix de ces toutes les personnalités que vous avez citées? Et la deuxième question, c'est par rapport aux témoins.
À la date d'aujourd'hui, est-ce que la CENI est prête pour nous dire quel est le nombre exact du parti politique, le nombre exact des témoins dont les partis politiques ont déjà envoyé auprès d'eux? L'UDPS n'a pas encore signé le code de bonne conduite, c'est dit non plus, mais de part et d'autre, du côté de la majorité, chacun se réclame victorieux déjà. Tshisekedi également, par ses militants, se réclame déjà victorieux de la campagne des élections plutôt du 28 novembre prochain. Alors, quel est le mécanisme que la CENI a mis en place pour ramener finalement l'UDPS à la maison, pour pouvoir signer le code de bonne conduite, pour enfin éviter le dérapage lors de la publication des résultats de vote? Et une deuxième question, il y a deux jours, si je me trompe, le cortège du candidat Vital Kamerhe a été caillassé à Kikwit dans le Bondibou. La CENI a cette information, et si oui, quelle est votre réaction par rapport à ça? Merci. Pourquoi les combattants s'attaquent à moi? La plupart des gens ne sont pas faits pour les élections, parce que je suivais ce qu'ils disaient. J'étais dans le couloir, dans les toilettes, je suivais. Donc, ils nous agressent. Ils agressent même les symboles de la démocratie au pays. C'est pas, ils ne sont pas du tout prêts. Ils ne veulent pas nos élections. Ils sont habitués à avoir le pouvoir, ou bien leur chef à avoir le pouvoir dans les salles de réunion. Nous disons non. On nous attaque pour notre détermination. Ce n'est pas seulement moi qui suis attaqué. Il y a des volets qui nous attaquent. Des attaques sérieuses dans leur communauté, dans leur famille. Il y a des collègues auxquels ne parlent pas par leurs anciens amis parce que tout simplement, nous organisons les élections. Nous organisons ces élections, nous voulons qu'on respecte la constitution dans ce pays. Pour une fois, ce texte doit être respecté par tout le monde. 5 ans, c'est 5 ans. On n'a pas d'autre agenda. Nous avons prêté serment de respecter la constitution. Donc ici, je voudrais que les gens comprennent. Qu'il fasse, qu'il neige, nous sommes en train de respecter la Constitution. Nous n'avons pas un autre agenda, s'il vous plaît. La RDC doit être respectée. Ouais, les autres pays ne nous respectent pas parce que nous avons la Constitution où nous voulons. Nous voulons qu'on dise que ce pays il est respectueux. Donc, les bureaux de la CENI ne se battent que pour que la Constitution soit respectée. Pensez-vous organiser? Nous sommes sûrs de les organiser. C'est pourquoi nous voulons vous rassurer. Les difficultés, certes, il y en a, mais nous sommes en train de les surmonter. Donc, en nous mettant aujourd'hui avec vous, nous voulons encore dire aux uns et aux autres, si vous gardez encore vos affiches, sortez-les. Parce qu'il ne reste que 2 semaines et les affiches vont chômer. Parce qu'il n'y aura pas de report. Les critères de choix des personnalités, nous avons trouvé ces personnalités qui sont neutres, qui ne sont pas politiquement actives, politiquement engagées, c'est des personnalités connues. Et je voudrais dire ici qu'on ne les a pas choisis seuls. Nous avons choisi ensemble avec nos collègues de la MONUSCO, du projet de PES, on s'est mis ensemble, on a passé au peigne fait ces personnes-là et nous sommes convaincus qu'elles valent la peine et qu'elles sont crédibles. Le nombre de témoins, je ne les ai pas maintenant. Je ne peux pas m'en dire. Écoute, nous, on est là pour faire appel à tous les partis. Parce qu'aujourd'hui, si vous me demandez, moi, de demander à l'UDPS de signer, c'est que vous voulez m'amener à accuser l'UDPS. Je ne dis pas ça. C'est comme j'ai toujours dit, ça va donner une mauvaise impression. Quand d'autres partis ont signé et que vous n'avez pas signé, d'autres personnes peuvent faire autre chose, mais on va vous citer. C'est ça l'unique problème qu'il y a. Je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit. Bon, les gens qui m'ont agressé à la rue du Sud, ils se disent combattants, ils avaient leur message. Mais moi, n'importe qui peut se dire je suis combattant de l'UDPS et m'agresse. Peut-être qu'ils ne sont même pas de l'UDPS. Mais pour pouvoir casser ça, nous faisons appel à tous les partis de signer. Il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas signé, sont nombreux. Il y a des chefs de partis qui n'ont pas signé. Donc, aller pointer un seul parti, c'est nous tromper de cible. Nous faisons appel à tous les partis, à tous les responsables, à tous les candidats. Venez, signez, ne pointez pas un seul parti. La CENI n'est pas en guerre contre l'UDPS. Nous avons appris comme vous que le convoi de Vital aurait eu des problèmes, mais on n'a pas été saisi.
et pour la paix à nous saisir. C'est pour cela, sans même ça, que nous demandons que les gens respectent, que le procureur, que la justice fasse son travail dans ce pays. Ceux qui se comportent comme ça doivent confronter la justice. Nous demandons au procureur général de la République de faire son travail parce que le code pénal lui permet de se saisir. Écoute, les trois candidats qui nous demandent de nous déclarer incapables, vraiment je leur demande qu'ils se déclarent incapables eux-mêmes. Vraiment qu'ils déclarent forfait eux-mêmes. Nous sommes prêts. Il y a certains qui n'ont même pas de pancarte dans la ville. Même pas de photo, une simple photo. Pas même de carico. Quand nous disons Kidiba, ils sont Kidiba. Ils ont attendu, on ne prend pas les candidatures, on a pris les candidatures. Ils ont voulu nous compliquer avant la dernière minute. Dieu merci, félicitations au personnel de la CENI, on a sorti les listes. La cartographie, elle est là, elle est connue. Nous avançons, malgré les difficultés. Après que sans périr, on triomphe sa gloire. La force de cette commission, c'est sa capacité de surmonter les difficultés. Et cette foi qui nous mène, c'est ça la force. Donc nous serons contents de recevoir leur forfait, qu'ils disent qu'ils ne sont pas prêts. C'est eux qui ne sont pas prêts, qui ne se cachent pas derrière nous. On a toujours dit que si nous avons des difficultés, dans la dernière minute, nous vous le dirons. On peut jouer aux prolongations de la campagne, il n'y a pas de problème. On peut faire nous prolonger la campagne de 3 jours, il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'a pas de problème, on veut le dire que nous sommes prêts. Nous nous cassons en morceaux pour nous rassurer que nous sommes prêts. À partir de lundi, tous les membres du bureau seront à l'intérieur des provinces. Nous avons donné des moyens à chaque secrétaire exécutif provincial d'aller déployer, même sur la tête des gens travaillent. Donc nous faisons tout pour arriver à la date du 28, pour que notre constitution soit respectée.